الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi et la sincérité, que Allah pardonne nos péchés, que Allah pardonne nos erreurs. Et nous prions Allah de pardonner les musulmans qui sont morts, que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah accepte notre adoration. Nous sommes dans les sourates Al-Nur. Hier, on s'est arrêté verset 32. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 33. Non. 22, hein? Oui, aujourd'hui, on va quitter verset 23. Non. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم Hier, on était sur le sujet depuis avant-hier sur les gens qui accusent les femmes vertueuses, les femmes qui sont réserves, les femmes dignes, qui les accusent qu'ils ont forniqué. S'ils sont mariés, ils les accusent qu'ils sont sortis derrière leur mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et il prend leur défense en train de dire Ta'ala en train de prendre leur défense que celui qui a fait ça avec les conditions que semaine passée on a parlé, c'est le reste des parties que Allah est en train de nous terminer. Il nous dit Inna lazina yarmuna al-muhsanati. Ceux-là qui blâment les femmes mariées, al-ghafilati, les femmes vertueuses, ceux qui se réservent, ceux qui ne font pas l'adultère, ils ne font pas l'affaire des zina. Et ça, ça ne les concerne même pas. Et Mouminati, et ils sont encore des croyantes. Si tu les accuses, et ils ont fait les zina. Les gens qui ont fait ça, ils sont maudits dans les dunya et ils sont maudits l'au-delà. Et ils ont les châtiments, qui est châtiment qui est grand. On dit jusqu'à maintenant, Allah est en train de prendre les défenses de notre mère Aïcha. Certains disent cette verset, c'est uniquement pour Aïcha, ceux qui ont menti sur elle, qu'elle a fait les zina. Les gens comme ça, ils sont maudits dans les dunya et ils sont maudits, yomal kiyama. Certains aussi ont dit oui, le verset est venu sur Aïcha, mais ça prend Oumou. Après Aïcha, comme elle est la mère de tous les croyants, mais après elle, toutes les femmes qui vont suivre sont des croyantes, qui se réservent, qui se obtiennent. Ils ne font pas zina, si tu les as blâmés avec cette sanité, si tu rentres dans cette patois, tu seras maudit si on marquera. Mais les causes, à cause de celui qui a la ministre, la partie c'est qui? C'est notre mère, Aïcha Tawadi Allah Ta'ala Anha. Elle a dit Haza wa'idun min Allah Ta'ala. Imam al-Kassir a dit ça là, c'est un avertissement bien que Allah entend de nous avertir. Les lazina yarmuna al-musanat al-gafilati. À ceux-là qui accusent les femmes mariées, les femmes vertueuses, qu'ils ont fait les zina. Ça là, et ils ont dit Al-Mu'minatu, bi Ummul Mu'minatu, awla bi duhuli fi haza. Il a dit la mère de tous les croyants, c'est elle qui est le premier d'en rentrer dans cette page, parce que c'est à cause de elle que Allah a mené tous les 10 versets qu'on a cités. C'est à cause de ça, ça c'est très dangereux. De blâmer les femmes qui sont vertueuses. Et à l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna lazina yu'uzuna Allah wa rasulahu
la'anahumullahu fid dunya wal akhira. Et les gens qui font du mal et Allah qui font du mal Allah et son prophète, yuzunallahu wa rasulahu, ils font du mal à Allah et ils font du mal à son prophète Mohammed. Les gens comme ça, ils sont maudits dans les dunya et ils sont maudits yawm al-qiyamah. C'est ici, c'est encore de ça que je vous ai dit hier, dans cet verset que nous lisons, c'est Aïcha qu'on a attaqué, le moment qu'on a attaqué Aïcha. Aïcha, c'est la femme du prophète Mohammed. Là, c'est le prophète en personne qu'on a attaqué. Le moment qu'on attaque Aïcha, c'est le prophète qu'on a attaqué. Et le moment qu'on attaque le prophète, et on attaque qui? On attaque Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, le moment qu'on a attaqué Aïcha, c'est qu'on a attaqué le père d'Aïcha qui est Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, car l'homme dans la compréhension. C'est à cause de ça, ce n'est pas bon. Hier, vous avez compris, il dit quelqu'un qui a blâmé quelqu'un, qu'il a fait les zina. Si tu n'es pas 4 témoins, avant qu'Allah va te pardonner, il te faut combien? Il te faut 80 coups, là où il y a les sharia. Mais ici, comme ça arrivait jusqu'à dans la maison du prophète Mohammed, le plus meilleur des maisons sur le dunya, le plus meilleur des maisons qui sont propres, la meilleure maison qui est bénie sur la terre, c'est la maison du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a mis la salité, Allah dit, les gens qui ont fait ça, ils sont maudits. Dunya ici, ils sont maudits, yawm al-qiyama. Allah les a réservés, azabun azim, un châtiment qui est grand, car elle nous est préservé. Oui. Non. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى ينادي يوما un jour viendra تشهد عليهم ألسنتهم leur langue va témoigner sur eux. وأيديهم c'est comme ça leur main, les deux mains aussi vont témoigner sur eux. Wa arjuluhum, et l'air des pieds va témoigner sur eux. Et non, bimakanu ya'malun, à travers du mal, le mauvais travail qu'ils ont fait dans cette terre. Les pieds va témoigner sur eux et la main aussi va témoigner sur eux. Car elle nous pardonne. Et là dit Imam Ibn Abbas a dit, innahum ya'ani al-mushrikun. Les gens qu'on parle, ça c'est les associateurs. Ils arrivent quand ils vont voir qu'ils n'ont pas rentré au paradis, le paradis les a échappés. Sauf les gens des prières, les musulmans qui vont rentrer au paradis, ils vont dire, ta'alou, hatta najhadu. Alors, on va aller, c'est-à-dire on va aller chercher le motif. Et ils vont aller pour chercher le motif. Ils partaient, ils arrivent que pour chercher le motif. Ils croient que l'affaire de Yom Akam c'est motif. Parce que ici ils ont habité, même s'ils n'ont pas raison, ils cherchent des motifs pour trouver la maison et la vérité. Ils croient que Yom Akam aussi c'est comme ça. C'est l'affaire de l'avocat, c'est l'affaire des tribunaux, c'est l'affaire des gros français. Ils vont chercher des motifs. Quand ils arrivent là-bas, Allah va fermer leur bouche. Ce moment, Allah va ordonner la main en train de témoigner sur eux et le pied aussi en train de témoigner sur eux. Et ces jours, il n'y a pas rien qui est caché. Allah va faire sortir toute l'affaire claire. La main va témoigner sur eux et le pied va témoigner sur eux. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne qu'à nous faciliter. Ça veut dire ça, un musulman, à chaque moment quand tu es là, il faut avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette verset premier et la deuxième qu'on a cité, dedans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que le verset premièrement on a dit ça Aïcha seulement, les savants ils ont fait les débats, ils ont dit ça prend tous les femmes pour rien. Parce que dedans le prophète Abu Huraira, on a trouvé hadith chez Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et elle a dit, éloignez-vous de cette chose qui détruit. As-saba'an mawbiqati. Cette chose qui détruit. Éloignez-vous de cette chose qui détruit.
Et on a demandé qui sont les sept choses qui détruisent. Qui sont là-bas qui parlent là? C'est éloignez-vous de ces choses qui détruisent. Et on a demandé qui la wama hunaya Rasulallah. On a demandé le prophète Mohammed qui sont les sept choses qui détruisent. Moumine, Idris. Quelqu'un est capable chez lui. C'est les enfants, ils vont passer devant la caméra. Quelqu'un est capable chez lui. On a demandé le prophète qui sont les sept choses qui détruisent. Quand le prophète a dit les premières choses, al-ishraq billah, d'associer Allah, qu'Allah nous préserve. N'importe comment la vie des musulmans, quels soient les problèmes que tu as dans les dunya, quels soient dans les difficultés que tu as, il faut te concentrer dans l'adoration. Il faut demander à tes frères musulmans de t'aider avec les prières. Il ne faut jamais associer Allah. Ça là, ça détruit l'homme. C'est comme ça le prophète a dit, parmi les choses qui détruisent, les péchés dévastateurs. Et le prophète a dit, ça va te détruire ici, ça va te détruire au Makiyama. La première position, c'est Al-Ishraq Billah, l'association Allah, qu'Allah nous préserve. Deuxième, le prophète a dit, Wasihir, la magie. La magie, ce n'est pas bon. Les musulmans ne croient pas à la magie, il ne faut pas aimer les magies. Ça là, ça détruit. C'est un grand péché, la magie, qu'Allah nous préserve. Troisième, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. De tuer l'âme que Allah interdit, sauf dans les conditions qui est normale. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Non, on ne tue pas quelqu'un. Même la loi islam qu'on a dit, si quelqu'un a forniqué, il est marié, on va le tuer. Si quelqu'un a tué, on le tue. Ou bien c'est pas comme ça. Si quelqu'un a laissé sa religion, on le tue. Parmi les trois choses que l'islam a dit, on tue, c'est pas toi qui tue. C'est la loi qui va tuer. Et la loi ne tue pas comme ça. Il y a comment on passe. Il y a des choses qu'on doit passer avant qu'on tue la personne sur la voie d'Allah. L'homme n'est pas droit de tuer quelqu'un. Yom al-Qiyama, tous les problèmes que tu vas amener, si ta main est le sang, il y a le sang de quelqu'un sur toi, c'est fini, tu es foutu. Surtout si tu as tué un croyant. Le Coran a dit, Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam halidan fiha. Celui qui a tué un croyant, ton retour, c'est l'affaire de Jahannam. Qu'Allah nous préserve. Méfiez-vous. Dans la chose, ne misez pas ça. À cause de ça, le prophète est interdit. À cause de ça, il ne faut pas musulman, il tombe dans les trucs comme ça. Même dans les blagues, ne prends pas couteau comme tu blagues, tu vas poignarder quelqu'un. Si j'étais en place dans ta main, poignarder quelqu'un, tu as tué l'homme. Comme ça, ne prends pas la voiture pour aller quelqu'un. Il y a les gens qui voient le truc voiture, c'est quand ils vont aller tamponner et ils s'arrêtent. Tout ça, ce n'est pas bon. Avec les vélos, avec les motos, etc., etc. Tout ce qui peut tuer l'homme, on ne blague pas avec ça. Sinon, Shaitan peut te faire rentrer dans les grands problèmes, qu'Allah nous préserve. Ça, c'est le troisième. Quatrième, wa'ak le riba. Parmi les péchés qui détruisent, c'est ça qu'on a dit de citer. Il ne faut pas que vous allez les oublier. Il ne faut pas musulman qui tombe dedans. Quatrième, wa'ak le riba. Manger l'argent d'usure, c'est-à-dire riba, l'argent intérêt. L'argent intérêt dans les commerces ou aller prêter dans les banques, payer avec l'intérêt, tout ça, c'est interdit. Musulman, quand tu tombes dedans, tu es tombé dans les grands péchés. Le prophète a dit l'argent intérêt, un franc dedans, l'équivalent de ça, il a dit l'argent intérêt a le péché. Péché 1, on dit 70 ou 60. Et le prophète a dit la plus dernière péché petit parmi les 60 là. C'est comme quelqu'un qui a fait les zines avec sa maman. Vous voyez, c'est à cause de ça qu'on est quand même méfié. Il ne faut pas qu'on tombe là. Aujourd'hui, on est pressé pour payer télé, écran plat, pour payer les fauteuils, pour construire maison, pour avoir la voiture. Là, on va aller faire les prêts dans les banques. Aujourd'hui, tous les banques aussi ne prêtent pas. Ils prêtent avec quoi? L'intérêt. Même l'argent que tu as mis dans les banques, quand tu déposes l'argent dans les banques, tout ce qui va monter là-dessus, intérêt. Il ne faut pas laisser. Tu prends, mais tu ne manques pas. Tu donnes quelqu'un pour te libérer. Mais il ne faut pas les laisser. Tu viens, tu trouves les gens qui sont là, quelqu'un qui a le problème, tu lui donnes, tu t'es libéré. Mais il ne faut pas attendre que demain vienne te saluer. Tu t'es libéré, sort. Mais musulman, il ne faut pas manger. Attention, ne blaguez pas, chers frères. Ça, c'est les interdictions d'Allah. Écoutez le mot que le prophète a parlé. Il a dit, ça va à Nobikati. Il a dit, les sept choses qui détruisent l'homme. Ça détruit l'homme, ça dépasse ta maison est brûlée. Ça dépasse tes familles sont brûlées. Ça va te détruire, ya Akhil Karim. Ça va t'amener loin, yo Malkiya. Le quatrième, c'est l'argent intérêt. Aujourd'hui, c'est devenir amusement. Les gens blaguent avec ça. Les gens nagent dedans. Parce qu'on veut dunya.
Si tu n'es pas construit une maison, ça va faire quoi? Nous avons entendu qu'Allah dit, oh, celui qui n'est pas construit une maison va l'amener en enfer. Vous avez vu le verset de Saoui Hadith qui a parlé ça. Si tu as gagné dans le voir Allah, tu as construit une maison, Alhamdoulilah. Quand Allah nous donne pour construire une maison, on vit. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas obligatoire d'aller prendre l'argent riba. Aller à la Mecque, ce n'est pas obligatoire si tu n'en as pas. Trouver le fauteuil. S'il n'y a pas de fauteuil dans ta chambre, tu vas rentrer dans l'enfer. Ou bien tu n'as pas de télé et tu remplaces, c'est un problème. Ne prenez pas l'argent intérêt. Il y a les certains aussi, ils ont ouvert les bureaux de ça. Ils prêtent les gens s'ils sont encablés et tu te prêtes 100 000, tu viens payer 110 000. Ils te prêtent 200 000, tu viens te payer 220 000. C'est haram. Ça, c'est quatrième. Cinquième, wa akelema al-yatim, de manger l'argent des orphelins. On a mouru quelqu'un, ton frère est mort, il a laissé ses enfants orphelins. Il a des biens. Comme c'est toi qui es grand frère, tout le bien est dans ta main. Tu n'as pas le droit de toucher. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allezine ya'kuluna al-amwal al-yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim an-nar. Wa sayaslawna sa'ira illa yatubu. Il dit, les gens qui mangent l'argent, l'héritage des orphelins, dans les injustes, dans les injustices, ils mangent ça mauvais. Allah dit, ce n'est pas l'argent que tu as mangé. Si c'est le haut que tu as payé, ce n'est pas le haut, ce n'est pas la maison. Allah dit, c'est le fait. Innama ya'kuluna fi butunihim an-nar. C'est le fait que tu es en train de manger. Allah dit, si tu n'es pas repenti, wa sayaslawna sa'ira. Yawm al-qiyama, tu vas rentrer dans l'affaire de sa'ira. Ça peut être ça, si quelqu'un est mort, c'est toi qu'on a confié le bien de l'intérêt et refrain. Ne bouffe pas. Le Coran a dit, in kana ghaniyan falyastafif. Wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Si tu es riche, tu as le moyen, Allah dit, ne touche même pas. Mais ton frère est mort, il t'a laissé le bien, tu n'as pas moyen. Or qu'il a les enfants, enlève dedans, tu vas les nourrir. Enlève dedans, tu vas les habiller. Enlève dedans, tu payes leur écolage. Enlève dedans, tu regardes leur santé. Falyakul bil ma'ruf. Il faut manger dans la voie légale. Ceux que les parents sont morts, on vous a laissé. Ils chassent les femmes veuves. On cherche les enfants. Les grands frères prennent tous les biens. Allah dit, Imam Ayakulu Nafi Boutou Niki Mouna. Ça fait combien? C'est cinquième et quatrième. Cinquième. Et sixième. Il a dit, Watawalla Yomazaf. Si c'était le temps qu'il y a la guerre sainte. On est arrivé à la guerre, cette, voilà les koufars, voilà les musulmans. Les koufars, ils disent, aujourd'hui, on va vous tuer pour que la prière ne va plus exister sur la terre. Les musulmans aussi ont dit, on va défendre notre islam, la vie ou la mort. Tu as vu comme ça et tu as fui. Il dit, tu as la diarrhée, tu as fui. Tu es sorti, tu as fui parce que tu as peur de mourir. Tu as vu l'homme comme ça, il est tombé dans les grands problèmes. Si c'est pour défendre l'islam, on ne recule pas. Parce que quand tu es mort, tu n'es pas mort, tu es dans le paradis. Allah dit la tasaban lazina kutilu fi sabilillahi amwat. Ils ne sont pas des morts. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ils sont vivants auprès d'Allah, ils sont en train de manger le bien d'Allah. Ça c'est sixième. Septième, elle a donné, le prophète a dit wa kasaf al muhsanati ghafilat al mu'minat. D'accuser une femme muhsanati, une femme mariée, ghafilat, qui se protège, qui se réserve. Elle n'a jamais sorti derrière son mari. Elle ne connaît même pas l'affaire des Zina. Encore mouminante, elle est croyante. Et tu vas l'accuser qu'elle a forniqué. Là, toi aussi, tu es tombé dans les grands, grands, grands péchés qui vont te détruire. Qu'Allah nous donne la compréhension. C'est à cause de ça, chers frères, on est qu'à méfier. L'homme, tu dois te méfier dans toutes les choses. Qu'Allah nous protège. Ça coûte ça, et les gens vont arriver au Malkiyama. Ils ont des trucs comme ça, ils vont chercher le motif. Allah dit, Yawma tashhadu alayhim al-sinatihim. Et ce moment-là, leur main va les témoigner. Wa aydihim. Et leur main, et leur al-sina, leur langue va les témoigner. Wa aydihim. Leur main va les témoigner. Wa arjuluhum. Et leur pied va les témoigner. Bima kanu ya'malun. À travers des mauvais qu'ils ont fait. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit quoi? يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله سبحانه وتعالى يودي يومئذ سجولا يوفيهم الله دينهم الحق. الله بالي كمبلتي لير دين كي لا فيرتي الدين هنا حسابه لير جوجما كي لا فيرتي.
yawma maliki yawmi ad-din alladhi sajula yuwaffihim Allah dinahum al-haqq. Ce jour-là, Allah va réaliser leur jugement qui est la vérité, sans tricher quelqu'un. Si tu as trouvé le bien, tu mérites le bien. Si tu as trouvé l'enfer, tu mérites l'enfer. Parce que Allah yuwaffihim Allah dinahum al-haqq. C'est tous les gens qui ont menti sur les femmes vertueuses comme ça. Et Allah dit wa ya'lamuna, et ce jour-là ils vont savoir anna Allah qulu Allah huwa al-haqqul mubin. C'est Allah qui est la vérité, c'est Allah qui joue avec la vérité, et ses lois sont claires, il ne juge pas quelqu'un. Yawm al-qiyama, le jugement que Allah va faire, c'est le jugement qui est clair, parce que la main va témoigner, le pied va témoigner. Jusqu'à ça va arriver un moment, l'homme même en personne est en train de dire ses parties. Il dit Lima shahidtum alayna. Pourquoi vous, ma main, mon pied, toutes les parties, pourquoi vous témoignez sur moi? Pourquoi Lima shahidtum alayna? Pourquoi vous témoignez sur toi? C'est moi aujourd'hui. Quand on était dans les dunya, c'est moi qui vous commandais. Je vous fais marcher, je vous fais soulever, je vous fais comme ça. Mais aujourd'hui, pourquoi vous témoignez sur moi? Car ils vont dire Antakan Allah ledi antaka kulla shay'in. On ne parle pas de notre passion. C'est Allah qui recommande toujours de parler. C'est lui qui nous a obligés de parler aujourd'hui. On a entendu témoigner. Ce jour, Yom al-Qiyama, même la terre va témoigner sur les gens. Yom al-Izin, tu hadis ahbara. La terre, Allah va dire la terre, donne-moi toute l'information qui est passée. La terre va parler. Ce jour-là, tel est passé ici, dans tel coin. Il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. La terre va parler, Yom al-Qiyama. Yuwaffihum Allahu dinahum al-haqq. Pour que les gens ils vont savoir ça là qui est la vérité, il est seigneur de la vérité, il juge la vérité. Il a dit ça là, wa'idu. Et même Ibn Kassir a dit ça, c'est l'avertition. Allah est en train de nous avertir. Il dit ne pensez pas que Allah il est ignorant. Il connaît tout. Et il y a des observateurs, les surveillants qui nous surveillent. Les anges ils sont là. La terre elle est là. Le ciel est là. Tes parties, tes membres aussi sont les surveillants de Allah. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite-nous. Imam Ibn Kassir, il nous dit Aïe hisabuhum. Wa kullu ma fi al-Qur'an dinuhum aïe hisabuhum. Quand vous lisez le Coran, les parties comme ça, Imam Ibn Kassir dit n'importe qui, tu vois, on dit dinuhum, ça c'est hisabuhum. Allah dit Malik yaoumi. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Ça c'est Yom al-Qiyama. Parce que c'est Yom al-Qiyama qu'on va faire les hisab. Car Allah nous facilite. Allah ne faut pas nous humilier Yom al-Qiyama. Chers frères, il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'repentance. Si tu as fait le péché, tu as repenti. Allah ne va pas t'humilier Yom al-Qiyama. Prophète Ibrahim, ses conseils demandent à Allah, il dit voilà, tu usini yom al-qiyam, yom al-yubasoun. Allah, il ne faut pas m'humilier. Les jours que tu vas ressusciter les gens, il ne faut pas m'humilier. Et s'il n'y a pas d'humiliation, si vous voyez quelqu'un, on a attrapé quelqu'un, lui déshabiller les gens qui le dessinent, ça, c'est rien. Demain, s'il a porté bien costume, cravaté, tu vas dire, ce n'est pas lui. Mais le roni, si Allah veut te minimiser yom al-qiyam, ce jour-là, et si quelqu'un t'a reni dans un quartier, mais ce n'est pas tout Libreville qui connaît. Si Libreville connaît, Lambarni ne connaît pas, Francivi ne connaît pas, Wayam ne connaît pas. Mais pour Yom al-Qiyam, tout Dunia connaît que c'est toi. Tout Dunia. Tout Dunia, il connaît que c'est toi. C'est ça qui est danger. C'est à cause de ça, la meilleure solution, chacun d'entre nous n'a regardé qu'est-ce qu'il a fait des erreurs, l'augmentation. Autant de prophètes Moussa, alayhi salam. Ils sont sortis comme ça, il n'y avait pas la pluie, les gens sont venus voir le prophète Moussa. Demandons-nous à Allah de nous amener la pluie. Le prophète Moussa est sorti pour demander à Allah la pluie. Avec tous les gens, ils se sont sortis dans une place comme ça. Le prophète Moussa a soulevé la main, Allah dit, je n'amène pas la pluie Moussa. Et il y a quelqu'un qui est en train de me désobéir aujourd'hui, ça fait 70 ans. À cause de lui, je n'amène pas la pluie. Le prophète Moussa a dit, j'ai compris. Le prophète Moussa a dit, diamant, les gens, Allah dit, il y a quelqu'un ici qui lui désobéit aujourd'hui, ça fait 70 ans. À cause de lui, il ne veut pas nous amener la pluie. Toi, c'est qui? Soit on va te voir, toi, tu vas sortir. Est-ce que la personne va sortir? Moussa dit, c'est toi, il faut sortir pour qu'Allah nous amène la pluie. La personne n'est pas sortie. Moussa en train de gronder. Sors, celui qui fait ça, il faut sortir, on va voir. La personne n'est pas sortie. La personne vit que c'est chaud. Et il s'est courbé parmi les gens comme ça la tête. Il parle avec Allah, il dit Allah, c'est toi qui couvre les gens.
aujourd'hui ça fait 70 ans que je suis en train de te désobéir, tu es en train de me couvrir. C'est toi qui ne connais pas les gens. Allah, faut pas me dévoiler mon secret pour que les gens me connaissent. Je me suis repenti, je ne veux plus recommencer. Il parle entre lui et Allah. Et là, en train de parler comme ça, là, je me suis repenti. Allah dit que c'est vrai. C'est une repentation sincère. Allah fait tomber la pluie. La pluie commence à tomber. Moussa dit à Rabbi, je ne comprends pas. Je suis en train de chercher la personne. Je n'ai pas encore trouvé. La pluie tombe. Allah dit oui. La personne a repenti, Moussa. Elle a repenti. À cause de ça, j'ai amené la pluie. Moussa dit voilà, j'ai compris quand même. Mais quand même, montre-moi la personne pour que je puisse le connaître. Allah dit non. Moi, avec mon serviteur, il ne va jamais me demander pardon. Parce qu'il a fait quelque chose et je vais lui connaître. Ça, c'est fini. Allah dit je ne fais pas ça. Je ne vais pas dévoiler son secret. Ni Dunya, ni Yom al-Kiyama. Azabay, ni Wabay, ni Abdi. Ça, c'est entre moi et mon serviteur. Kalima. Suffit seulement ouvrir ta boutique d'Allah, pardon. Et j'ai laissé, pardon. Et Allah, il ne va pas te humilier ici, ni Yom al-Kiyama. Mais si on dit ça ne fait rien, on va continuer les désordres comme ça. Et si c'est rien, mon frère, Yom al-Kiyama, debout seulement 40 ans, il n'y a pas assis. Il n'y a pas assis. Allah facilite. Allah, faut pas nous humilier Yom al-Kiyama. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Habisu, Al-Habisatu. Les femmes qui sont Al-Habisatu. Les femmes qui sont les femmes mauvaises, les Habisuin, et ils sont avec les hommes qui sont mauvais, ils sont avec les femmes mauvaises et mauvaises. Al-Habisatu, c'est comme ça, non? Oui, c'est comme ça. Il a dit Al-Habisatu, les Habisina. Elle a dit les femmes mauvaises et ils sont avec les hommes mauvais. Walhabisuna les habisati. Et les hommes qui sont les hommes mauvais et ils seront avec les femmes qui sont mauvais. Cet verset, c'est comme Allah en train de prendre réponse jusqu'à maintenant défendre de Aïcha. Le moment qu'on est en train de blâmer Aïcha qu'elle a fait telle chose, tantôt il n'est pas fait. Allah a mené le verset pour la nettoyer. Elle est en train de dire Dunia, il faut que vous allez écouter. L'homme qui est mauvais. Et c'est lui qui trouve la femme qui est mauvaise. La femme qui est mauvaise, c'est elle qui trouve l'homme qui est mauvais. Tant que le prophète, il est quoi? Lui n'est pas mauvais. Et il ne va jamais trouver une femme qui est quoi? Mauvaise. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, Allah entend dire Al-Habisatu, l'Habisina. Les femmes mauvaises sont avec les hommes mauvais. Wal-Habisuna, l'Habisati. Les hommes mauvais, ils sont avec les femmes mauvaises. Wal-Tayibatu, l'Tayibina. Les hommes mauvais sont avec les femmes. Et les hommes bien avec les femmes bien. Wal-Tayibatu, Wal-Tayibuna, l'Tayibati. Les hommes bien, ils sont avec les femmes qui sont bien. Aïcha, elle est bien. Son mari est bien. Allah entend de prendre les défenses avec ça. C'est-à-dire. Est-ce que cela dit que c'est obligatoire, ça va faire comme ça? Que obligatoire, si l'homme est bien, sa femme sera bien. Et si la femme est bien, obligatoire, elle va gagner le mari qui est bien. Ça, on passe ça pour souci sur le prophète Mohammed. Je pense que vous comprenez, on passe ça uniquement sur l'épouse des prophètes et la maison des prophètes et lui-même à sa personnelle. Et ça, sa personne. Je ne sais pas si vous comprenez, mais tu peux être l'homme bien. Mais Allah te donne une femme qui est épreuve pour toi. Et la femme peut être une femme vertueuse, elle va gagner un mari qui est épreuve pour elle. La femme de Pharaon, elle est bonne. Mais elle a trouvé mauvaise mari. Prophète Nuh, il est bien. Mais il a trouvé mauvaise femme. Prophète Lut, il est bien. Mais il a trouvé une femme mauvaise à casa. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ici, on dit Allah, on parle ça uniquement pour qui? Pour Aïchata avec elle dans la maison des prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être ça le verset là, il a dit Oulaïka al-mubarraouna mimma yakouloun. Vous avez vu ceux-là, ils sont loin de toutes les saletés qu'on entend de les coller, qu'elle a fait la fornication. La maison des prophètes est loin de là-bas. Lahum makfiratun wa rizqun karim. Les gens qui sont bien, les femmes qui sont bien comme ça, ils ont le pardon d'Allah et ils ont la richesse qui est la richesse qui est grande. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la compréhension. Ici, on nous a dit
Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous montrer que les gens qui sont bien comme la famille des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne sont pas dans cette sanité. Et tout ce qu'on les a collé, c'est les motifs qui sont, le motif qui est rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Si toi tu es l'homme bien et ta femme aussi elle est bien, vous aussi vous pouvez rentrer dedans et vous êtes les gens vertueux. Un jour au Kiyama, Allah il a dit, vous avez le pardon de Allah et vous avez quoi? Les récompenses qui est grand. Si on dit récompense qui est grand, les savants ils ont dit c'est le paradis, qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous éloigne contre l'enfer. Non. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan khayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Toh, ici aussi c'est la loi, c'est une loi qu'Allah va nous enseigner. La loi quand tu parles chez quelqu'un. La loi, comment un musulman doit rentrer dans la maison. Vous voyez, avant-hier, Allah en train de nous interdire, le musulman ne fait pas tel péché, ou bien c'est pas ça. Jusqu'à blâmer une femme vertueuse, on vient de finir là-bas. Maintenant, Allah va nous montrer certains adab. Adab de salam alaikum. Le musulman doit faire salam alaikum comment? De rentrer dans la maison de quelqu'un. Allah, il a appelé les croyants. Il dit, ya ayyuhallazina aman. Oh, vous qui sommes les croyants. La tadkhulu buyutan. Vous avez vu, buyutan. Chaque maison. Vous ne pouvez pas rentrer aucun maison. Gaira buyutikum, qui n'est pas votre maison. C'est comme ça, non? Gaira buyutikum, qui n'est pas votre maison. Avant que vous rentrez, Allah dit, hatta tastanisu. Vous allez chercher autorisation. Et vous allez adresser la salutation salam alaykoum les gens des maisons avant que vous allez rentrer. Ça allez comme si vous faites comme ça, khayrul lakum, cela est bien pour vous. La allakum tazakkarun, afin que vous allez réfléchir à connaître la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Cet verset ça contient beaucoup de règlements. Regardez, dedans Allah dit, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la maison qui n'est pas votre maison. Et n'est pas commencé avec salam alaikum. Regardez les versets. Il a dit hatta testanisu. Il faut demander autorisation. Otusalimu ala ali avant que tu fasses salam alaikum. C'est comme ça qu'il a parlé. Ici, il montre cette autorisation qu'on demande d'abord avant de faire quoi? Salam alaikum. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est salam alaikum qu'on va faire d'abord. Et avant qu'on va demander autorisation. Ça c'est takdim ou ta'khir. Un moment courant, il peut amener ce qui est devant, derrière, il peut amener ce qui est derrière, devant. Ça aussi, il y a la connaissance de ça dans les ulum du Coran. On appelle ça takdim ou ta'khir. On peut avancer quelque chose qui est derrière, on prend quelque chose qui est devant, on amène derrière. Ça c'est dans les Coran, pour usul. C'est à cause de ça, quand tu arrives à la maison de quelqu'un, c'est le salam alaikum que tu vas faire d'abord. Avant que tu vas demander autorisation. Maintenant, écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhallazina amanu. Parce que cette loi, Allah s'adresse à ceux qui sont des croyants. Allah dit, la tadkhulu buyutan. Ne rentrez pas dans la maison qui n'est pas, gaira buyutikum, qui n'est pas votre maison. Avant de rentrer, il faut faire salam alaikum. Tu vas faire salam alaikum. Tu fais salam alaikum et avant que tu rentres dans cette maison. Tu fais salam alaikum une fois. Tu fais salam alaikum deux fois. C'est-à-dire quand tu fais une fois, on n'est pas répondu. Tu augmentes le zéro. Bon, maintenant. Il ne faut pas qu'on arrive devant pour que vous allez bien comprendre. Quand tu fais salam alaikum une fois, la personne dit salam alaikum. La personne dit wa alaikum salam. Bon, maintenant, dès qu'il a accepté, c'est ce moment que tu vas demander autorisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Le moment que tu as fait salam alaikum, la personne a demandé wa alaikum salam. Et tu demandes autorisation. Je vais rentrer. C'est ça, il a dit tastanisu. Autorisation.
Mais nous on a appris que dès que tu fais salam, allez pour chez il dit allez pour salam, il te dit de rentrer. Alors que ce n'est pas comme ça, ça se passe. Vous comprenez bien? Jusqu'à dedans, ce n'est pas comme ça. Dès que tu dis salam alaykoum, au salam alaykoum wa rahmatullah, il dit alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, il n'est pas dit de rentrer. Après tu lui demandes, je peux rentrer dans la langue qu'il comprend. S'il dit oui, tu rentres. S'il dit attends d'abord, tu attends. Vous comprenez bien? C'est ça, il a dit, hatta testanisu. Jusqu'à tu vas demander autorisation. Avec, tu fais salam alaykoum, tu demandes autorisation. Bon, maintenant tu as fait salam alaykoum une fois. On n'a pas répondu. Tu augmentes combien? Deuxième fois. Salam alaykoum. Si tu acceptes deuxième fois, et va, tu vas demander toujours. Je peux rentrer et tu attends d'abord. Il faut attendre d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, et si tu as fait salam alaykoum deux fois, on n'est pas répondu, tu vas augmenter combien? Troisième fois. Salam alaykoum. Si la wa alaykoum salam, attends d'abord, tu attends toujours. Mais si tu as fait troisième salam alaykoum, on n'est pas répondu. Là, il faut retourner. Et si c'est bref comme ça. Mais maintenant, il faut que je vais laisser mon frère avancer avec les versets. Et je vais vous traduire tout le reste maintenant. Il a dit quoi? Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Allah dit quand tu parles dans la maison de quelqu'un, quand tu fais salam alaykoum, fa in lam tajidu fiha ahadan, si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui t'a répondu, fala tadkhuluha, ne rentre pas, hatta yu'zana lakum, il faut qu'on te donne autorisation d'abord. Vous comprenez bien? Tu n'as pas le droit de rentrer. Il faut qu'autorisation va venir. Mais si tu dis salam alaykoum et tu dis alaykoum salam, c'est qui? Il dit, c'est moi, Abdullah. Abdullah, ça va bien. Il dit, mais retourne, après-midi, tu reviens. Retourne. Allah dit, faut retourner. Alors, si je ne retourne pas, il dit, retourne là-bas à Aska Alakum. C'est ça qui est meilleur pour vous. C'est meilleur pour vous dans votre religion et ça te donne honneur et vous avez respecté Allah et son prophète Mohammed. Tu es dans ta maison. Et c'est l'heure que tu es coupé. Quelqu'un te fait salam alaykoum. Tu n'as pas rendez-vous avec lui. Tu connais la personne. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Je n'ai pas le temps maintenant. Tu reviens après-midi. Allah dit, Faradjou, retournez. Huwa azka alaykoum. C'est ça qui est bon pour vous. C'est bon pour toi qui vas retourner. Et c'est bon pour le monsieur qui t'a dit, retourne. Peut-être il est en train de causer avec sa femme. Peut-être il veut se reposer. Peut-être il est sur certaines choses. Tu n'as pas droit. Tu fais quoi? Tu m'as dit de revenir après-midi. C'est le mot comme ça qu'on ne demande pas. Allah dit Hua Azka Lakum. Coran, c'est la parole d'Allah. Allah, quand il parle, il a dit Hua Azka Lakum. C'est-à-dire, ne cherche pas certaines choses. De retourner, c'est ça qui est pour toi. Il ne faut pas demander. Mais maintenant, tu fais quoi après-midi? Allah dit, c'est ça que je ne fais pas. Pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est à ce point de ça, tout ça là regroupé. C'est la parole d'Allah. Il dit, Hua Azka Lakum. Ne cherche pas. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah dit, je suis connaisseur de tout ce que vous faites, vous êtes en train de faire. Je suis connaisseur de ça. On nous dit, c'est venu dans les Sahih que Abba Moussa est parti chez Umar ibn Khattab. Je vais lire ça dans la langue arabe, à ceux qui comprennent l'arabe, c'est dans les hadiths là. Il a dit, comme ça, il a dit, أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثة فلم يؤذن له انصرف
ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن استأذنوا له فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعك قال إني استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف فقال عمر لتأتيني على هذه البينة أي دليل وإلا أوجعتك ضربا سأضربك على وجهي أوجع ضربا يكون هنا سأضربك فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا لا نشهد لك إلا أصدرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك ألحى أنه صفق طيب c'est-à-dire c'est Moussa qui est venu Moussa Abdullah ibn Qais il est venu chez Omar dans la maison de Omar ibn Khattab vous comprenez bien il a dit je suis venu dans la maison de Omar ibn Khattab et istazan ala Omar salam j'ai fait trois salam alaykum j'ai demandé trois salam alaykum assalamu alaykum Omar a dit wa alaykum salam Et le message dit, je vais rentrer, Omar n'a rien parlé. Aadouhoul, Omar n'a rien parlé. Aadouhoul, Omar n'a rien parlé. Et le message est retourné. C'est de là qu'Omar est sorti. Omar a dit, ah, Allah asma asauta Abdullah ibn Qais. N'est-ce pas, j'ai entendu la voix de tel monsieur ici. Mais il a vu que le monsieur est déjà parti. Après, ils se sont vus. Et Omar l'a demandé. Il a dit, Falam Maja Abad Azan, qu'après, il est revenu chez Omar. Après, Omar a demandé, mais pourquoi j'étais venu ici, Ma Raja Aka, qu'est-ce que tu as fait retourner? Quand le monsieur a dit, Inni Istazan, ou Inni Istazan tout. Je suis demandé autorisation, Salasa, trois fois, Falam Yazan, il dit, on ne m'a pas donné autorisation. Je t'ai demandé autorisation. J'ai fait Salam Alekoum, tu as accepté. J'ai dit, je peux rentrer, tu n'es pas répondu. Je t'ai rentré, tu n'es pas répondu. Voilà pourquoi trois fois, pourquoi je suis parti. Et le message dit Omar, parce que Fa'ini Samit ou Rasulallah, moi j'ai attendu le prophète a dit, quand tu parles à la maison de quelqu'un, il faut demander autorisation trois fois. Si on n'est pas répondu, on n'était pas donné autorisation de rentrer, il faut retourner. Omar, depuis que Omar, après le prophète, c'est qui? Ababakar. Après Ababakar, c'est qui? Omar. Mais depuis qu'Omar avec le prophète, il ne connaît pas cette hadith. Cette connaissance s'achappe Omar. Aujourd'hui, si un connaisseur va dire, je connais tout, tu connais tout quoi? C'est ce moment qu'on dit tu ne connais rien. Omar, après le prophète, c'est Ababakar. Après Ababakar, c'est Omar. Mais Omar ne connaît pas cet hadith. Il ne connaît pas qu'il y a un hadith qui montre que si tu viens chez quelqu'un, tu as demandé salam alaykoum. Et tu fais, je peux rentrer trois, une fois, deux fois, non, trois fois, une fois, il faut retourner. Omar ne connaît pas ça. Quand le monsieur a dit comme ça, Fakala Omar, la ta'tini ala haza bayina, il faut m'amener preuve. Sinon, je vais te frapper. Vous savez, Omar, il s'est frappé. Parce que lui pense que le monsieur veut mentir sur le prophète Mohammed. Si tu ne m'amènes pas les preuves qui va vérifier que c'est la vérité, tu vas me sentir. Tu me connais, non? Ah, quand le Moumara parlait comme ça, le monsieur paniquait. Le monsieur aussi, il a compris ça. Mais il a oublié la hadith là, comment ça se passe. Et c'est comme ça, il veut une deuxième personne qui va l'affirmer pour qu'on puisse comprendre que c'est la vérité. Et le monsieur a dit, Fazahaba il a mal min al ansor. Il est parti dans le groupe des ansor. En sont les gens des Médinois, ils sont assis. Faisa Karahum Lahum. Et il les a parlé, Makol Omar Soke, passé à Tile Omar. Il demande, est-ce que quelqu'un connaît cette hadith? Fakalu, les gens qui sont assis, ils ont dit, La Nash Hadulaka illa Asgana. Il a dit, mais cette hadith, ce n'est pas nous-mêmes les gars qui vont aller te témoigner. On va envoyer le petit comme mon petit là, c'est lui qui va aller dire Omar. Ça, ce n'est pas le grand, la fête des grands. Nous, on dépasse là-bas. Et qu'on va te déléguer un enfant, il va aller dire Omar, que c'est Hadith, que c'est le prophète qui a dit. C'est à cause de sa reconnaissance, c'est à cause de la connaissance qu'on peut se gonfler. Oui. Et parmi eux, et il a dit, Fakor Mama Abu Abu Saïd Houdiri. C'est Abu Saïd Houdiri qui est petit dedans. Il a dit, Abu Saïd va lui sauver chez Omar. Abu Saïd Houdiri, il a accompagné les venus chez Omar. Il a dit, c'est comme ça le prophète a dit. C'est de là qu'Omar s'est rabaissé. Avec la grandeur de Omar, il ne connaît pas cette hadith.
Ça, c'est Adam. Maintenant, les choses qui est dedans qu'on va vous enseigner, que les professeurs vont mener dans les livres. Quand tu arrives, quelqu'un qui va faire salam alaikum. On a dit qu'il ne faut pas rester à la barre. Qui doit être à la barre? Direction de la porte. Il a un tapou ne yemine ou shimal. Donc, il faut être à côté droite de la porte. Ici, quand tu restes à côté de toi, ici, là, tu restes ici. Tu ne vois pas directement dans la porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Au soir, à côté de gauche. Ils ne sont pas directs. À l'époque, et ils ne sont pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, nous, Allah nous a facilité. Chacun a la chambre, salon, et avec les toutous, Inch'Allah. À l'époque, c'est sens direct. Mais tant que ça. Même si c'est, on a des salons, il faut faire comme ce qu'on a dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand quelqu'un est chez lui, il peut rester comme il veut. Là, quand tu as fait salam alaikum, faut pas. Tu as vu, on a dit, faut pas même rester à côté de la porte. On est là, on peut demander qu'est-ce que je peux mettre ma tête encore. Ça, ça m'embarque là, là. Parce qu'il y a certains qui font ça. Ils mettent la tête, ils regardent. Il y a quelqu'un, salam alaikum. Vous n'êtes pas la salam, la tête est dedans. Ils demandent, vous êtes. Mais tu as déjà mis ta tête, et quel salam alaikum encore? Ouais, ça c'est coutume pour nous. Or que ça, ce n'est pas bien. Ou bien c'est pas comme ça, ce n'est pas bien. Allah dit, si on n'était pas donné l'autorisation, il faut retourner. Si on te dit il faut retourner, il faut retourner. Car Allah nous facilite. Donc, on va regarder les versets. Regardez les versets, on va commencer à regarder. Allah dit, vous qui sont les croyants. Là, tu as dit que ne rentrez pas à la maison qui n'est pas là pour vous. Hatta tastasnisu wa tusallimu ala ahliha. Il faut demander aux autorisations, tu fais salam alaykum. Est-ce que là, ça montre que chez toi, et là, des gars, ce n'est pas votre maison. Là, ça montre que chez toi, c'est autorisé de rentrer sans salam alaykum. Parce que oui, c'est comme ça que ça montre. S'il y a que le Coran, c'est comme ça que ça montre. Ah, écoutez le verset. Elle a dit là, tu as du boulot, bouillotan, gaira, bouillotiko. Hatta, testanis, ou tu salimu, ils ont qu'un abeït. Là, si c'est ta maison, là, ça montre que tu ne fais pas salam alaikum. Mais il y a les versets qui devant. Et il y a les hadiths qui montrent, même si c'est votre maison, il faut faire ta guillette, le mubarak, tu le mets indila. Il faut faire salam alaikum ta maison. On dit, bon, ta maison, tu vas faire salam alaikum, il n'y a pas quelqu'un. Il y a ta femme, il faut faire salam alaikum. Même si tu as ta chambre, il n'y a pas quelqu'un. On dit même s'il n'y a pas quelqu'un, fais salam alaikum avant de rentrer. On dit même. On a dit quand tu fais salam alaikum, on te répond. Maintenant, ta chambre, il n'y a pas quelqu'un, tu fais salam alaikum, qui va te répondre. Il dit, tahiyya terminé. Il dit là. Allah va te répondre, les anges vont te répondre. Et c'est mon baraka ta tayyiba. Et ça met les barques dans ta chambre, ta maison. Vous comprenez bien? C'est la bénédiction de Allah. Tu mets salam alaikum dans ta maison. Wadi. Ici, c'est ça que vous allez voir Coran. Coran, sans parler seulement, on appelait Yahweh Lezina Amr. Ou bien c'est pas ça. Mais si on regarde dedans, nous allons voir ces deux lois qu'Allah a menées. Il a mené la loi des musulmans et il y a la loi des non-musulmans dedans. C'est Coran. Il a mené, demander quoi? Autorisation, il a mené salam alaikum. Musulman fait salam alaikum. Tu demandes aux autorisations. Comme non musulman, il ne connaît pas salam alaikum, mais pour lui, son il va faire te demander quoi? Autorisation avant de rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, tu as droit, même si quelqu'un n'est pas musulman, il est rentré chez toi sans faire coco, tu dis le tout. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas faire salam alaikum. Mais chez vous, vous faites quoi? Coco, non? C'est autorisation. C'est le Coran. C'est l'autorisation. Cela montre que, vous voyez, le Coran, ça induque l'humanité. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la maison de quelqu'un. Tout ça qu'Allah est en train de parler, pourquoi? C'est pour réserver ton honneur. Parce que dans ta chambre, dans ta maison, tu peux s'asseoir comme tu veux. Ce n'est pas bon, quelqu'un vient, peut-être tu es là, tu es dans ta chambre, tu veux reposer un peu, tu t'es déshabillé. Peut-être tu es dans les tu petit truc ou ça, tu même, il n'y a pas de haut sur toi. Ce n'est pas bon, quelqu'un te voit, il n'y a pas de haut sur toi, en tant que toi, musulman. Tu attends, salam alaykoum, tu arrives, ah, j'arrive. Tu prends le haut, tu t'habilles, tu t'arranges. Ou bien, c'est pas ça.
Maintenant, tu dis, tu peux rentrer. Là, c'est fini. Avant qu'il rentre, tu as déjà tout arrangé. C'est tout ce pays que nous sommes. Majorité des chambres, c'est une chambre avec ta femme. Et on fait rentrer les gens dans une chambre. Quelqu'un qui vient, il voit là où tu es avec ta femme. Il faut tout arranger avant que quelqu'un ne vienne pas voir. Parce qu'il y a les gens, certains, dès qu'ils rentrent dans la chambre de quelqu'un, c'est lui qui regarde. Il faut tout arranger. Et c'est là où ça nous indique qu'Allah nous pardonne. Taïmou, voilà les conditions qui sont dedans. C'est à cause de ça, tu n'es pas droit de rentrer chez quelqu'un en tant que toi, pratiquant musulman. Il faut faire salam alaykoum. C'est ça, il a dit, mais. Même si tu n'as pas trouvé quelqu'un dans la maison, elle a dit, il ne faut pas rentrer. Il faut qu'il y ait autorisation qu'on te donne dans la maison avant que tu rentres. Mais tant qu'on ne t'a pas donné l'autorisation, tu ne rentres pas. Il faut dire, bon, mais c'est comment? Il dort bien, comment je vais regarder? Tu as vu? Bon, maintenant, ça a plus fort. S'il dort, tu vas regarder. Le moment que quelqu'un dort, c'est comme il est mort. Il peut dormir dans toutes les sens. Si tu vas, tu pars voir quelque chose qui ne va pas. Tout ça là, l'islam nous a interdit. Et c'est interdit, tu ne rentres pas dans la maison de quelqu'un sans autorisation. C'est interdit de regarder avec les fenêtres de quelqu'un, il est là ou il n'est pas là. C'est interdit avec les murs de quelqu'un, tu regardes dans sa maison. Tout ça c'est interdit. Jusqu'à il y a le hadith que le prophète a dit. Si tu as vu quelqu'un en train de regarder le trou de ta maison, si tu as l'air. L'aspire, non, le fer que vient là pour piquer son lui là. Si l'on t'amène là où il y a les, la loi islam, tu n'as pas aucun problème. C'est là où il n'y a pas la loi islam, on va t'attaquer. Mais sinon, dans l'islam, je n'ai pas dit aller faire ça, mais là où il y a la loi d'islam. Tu vois quelqu'un en train de. Il te fait espionnage ça. Il est en train de t'espionner. Regardez, tu fais quoi? Si tu as vu les yeux là comme ça, pour le prophète a dit oui, quelque chose. Tu n'as pas pu chercher à Allah. Car l'homme donne la compréhension. Parce que ça, tu es venu chercher à connaître, tu lui fais quoi en cachette. C'est à cause de ça, il y a les savants qui sont en train de parler, certains royaux. On dit, c'est un monsieur qui est dans sa maison en train de boire à l'école. Le temps de Omar Rantel. La nuit. Omar aussi, vous savez, lui surveille. Omar est parti regarder avec le mire, il a vu assis là-bas. Je suis rentré de moi. Omar est sauté par le mire. Il est rentré dans la maison, il dit, j'ai attrapé, tu vois à l'école. Le monsieur a dit, c'est moi qui t'ai attrapé, bien c'est toi qui m'as attrapé. Il a dit, Omar, c'est moi qui t'ai attrapé, bien c'est moi, c'est toi qui m'as attrapé. Omar a dit, non, c'est moi qui t'ai attrapé. Il dit, mais tu m'as attrapé, je fais quoi? Il dit, j'ai attrapé, tu vois à l'école, c'est interdit. Il dit, moi, j'ai attrapé, tu es sauté par le mire, c'est interdit. Et Dieu est venu, moi je suis dans ma maison, encore la nuit. Tu cherches quoi ici? Omar a dit non. C'est faux. Cette ouvrière, c'est les connaisseurs qui parlent ça. Je ne veux pas approfondir dedans parce que moi je ne parle pas beaucoup de trucs que je n'ai pas l'intérêt qui va bien affirmer. Parce que c'est le prophète de Allah. Après le prophète, c'est le Sahaba. Quand tu veux parler sur le Sahaba, il faut parler des choses qui doivent lui honorer. Il ne faut pas parler des choses qui périssent déshonorer. Car on donne la compréhension. Mais déjà, ça montre ça. Je ne veux pas que tu rentres dans la maison de quelqu'un sans autorisation. Car on nous pardonne. C'est à cause de ça. Et d'ici, si on t'a dit, il faut sortir et il faut retourner. Il faut retourner. Allah dit quoi? ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Top. On a dit tu n'as pas droit de rentrer la maison qui n'est pas ta maison sans autorisation. Si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui t'a autorisation, il faut retourner. Mais c'est dans une maison que tu as déposé ton outil. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner autorisation. Tu as faim. Ou médicaments. Tu as faim. Ou aller prendre l'eau. Tu as soif. Ou tu veux aller faire ton besoin. Personne n'est pas là-bas pour te faire autorisation. Il a dit, laisse aller continuer. Là, vous n'avez pas aucun péché. En tant que vous pouvez de rentrer certains domiciles, qui ne sont pas bloqués.
fiha mata'u, dedans il y a votre besoin dedans. Vous avez quelque chose qui est besoin dedans, allez, vous ouvrez ça et vous rentrez, il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas bloqué. Là, si vous rentrez, même dans l'autorisation, il n'y a pas aucun problème. Et vous, comme vous comprenez bien, il y a quelque chose qui est très important, tu vas prendre. C'est la maison qui n'est pas bloquée. Il n'y a pas bloqué, on a mis ça comme ça, tu peux rentrer. Et du matin, il y a votre matin, votre besoin dedans. Il a dit, Wallah, lui, Allah, ya Allah, ma tourdou. On m'attaque tout le monde. Allah dit, je connais ce que vous publiez et je connais ce que vous cachez. C'est-à-dire, l'intention que tu rentres dans cette maison qui n'est pas bloquée, Allah connaît ton intention. Ce n'est pas que tu as fait ça pour minimiser la voix d'Allah, mais tu as fait ça parce que tu as ton besoin là-bas. À plus forte raison, ce n'est pas la maison qui est bloquée et là tu peux rentrer. Ça, il n'y a pas aucun problème là de rentrer dedans. Et là, 17 au 17 verset, on a mis ça, c'est pour faciliter les gens. Le moment qu'on a dit qu'il faut rentrer dans la maison, demander excuse. Bon, maintenant, s'il y a quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui t'a demandé excuse, mais il y a ton besoin dedans. Là, tu vas faire comment? Tu vas rentrer, on a dit oui, là, il n'y a pas de problème. Ça, on a mis ça pour faciliter. S'il y a quelque chose qui est très important, obligatoire, c'est aux gens. Tu peux rentrer même s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a. Tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un dedans. La place, la porte n'est pas bloquée. Tu peux rentrer pour prendre ton truc. Tu ne peux pas aller pour fouiller, pour connaître les secrets des gens. Tu prends ton truc pour aller faire ton besoin. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Parle de la compréhension. Il a dit quoi? قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah déclare للمؤمنين دي les croyants يغضوا من أبصارهم إن كانوا بسي les regards. Les croyants, faut pas tenir les regards n'importe où. Si vous passez là où il y a les femmes détruites, ne regarde pas. Salam alaikum, alaikum salam, tu regardes à quelque part. Si tu es en train de marcher sur la route, tu veux se croiser avec une femme qui n'est pas ta femme, il faut rabaisser ton regard. Il ne faut pas la fixer ton regard. C'est ça qui amène le problème. Il y a Goddou, on a absolu. Si on faisait ça là, on devait se voir. Surtout dans le pays qui est le pays laïque. Aujourd'hui, les arguments des femmes ne sont pas bons. Pour le sein, c'est au dehors. Le corps, c'est au dehors. Maquillage, on a dit, rabaissez votre regard. Et ça adresse les croyants. Hein? C'est les croyants qu'elle a dit. Parce que la loi, c'est le croyant qui pratique la loi. Voyafazu furujahum. Et Allah dit, inanka fazu furujahum. Inanka furuj. Inanka protéger leur quoi? Leur sexe. Faut pas utiliser ton sexe n'importe comment. Ça revient sur les prêches d'avant-hier. On est en train de nous interdire, ne fais pas quoi? Les islam. On dit protéger notre sexe. Ici, on parle de sexe. Et c'est comme ça, musulman aussi, le sexe est ton corps. Musulman doit protéger son corps. Il y a certains habillements, ce n'est pas bon musulman pour s'en sortir dehors. Musulman n'est pas droit d'amener culotte au dehors. Tout culotte que tu vas porter pour sortir dehors, il faut que ça dépasse les genoux. Mais tant que l'autre n'est pas arrivé chez nous, il sera même interdit, en tant qu'un adulte, c'est interdit de faire sortir ça au dehors. Parce que ça va te minimiser toi. Ça minimise ton honneur. Or que l'homme, l'honneur de l'homme dépasse l'argent. C'est comme ça, ce n'est pas bon musulman en public. Tu enlèves le corps, tout ton corps au dehors. Il n'y a pas de roues sur toi, ce n'est pas bon. Il faut trouver même des bardères qui mettent sur toi. Pour son honneur. Parce que l'honneur de l'homme, c'est. Regardez, à cause de l'honneur de l'homme, Allah a recommandé, même si c'est kafir qui est mort, si les autres kafir n'ont pas enterré, nous les musulmans prenons le corps pour aller enterrer. Parce que les karam n'a bali, l'homme est honoré. Si un kafir est mort, on a refusé d'enterrer, nous les musulmans, on le prend, on lève, creuser le trou, on le met dedans. Honorer l'homme. A plus fort raison, musulman, à plus fort raison, toi croyant. Faut te honorer. Quand tu t'honores, c'est ça qui montre ton grandeur. Ça veut dire ça. Si on dit, il faut protéger ton sexe, ne fais pas la fornication, certains ton parti, on ne veut pas que tu laisses ça au dehors.
Parce qu'un homme, depuis l'ombril jusqu'à où? Les genoux. C'est haram que quelqu'un voit, sauf ta femme. Sauf dans les daroura. Tu es malade à l'hôpital, c'est une sale femme qui va te regarder. Là, ça va devenir daroura. Donc, ça, une femme va ouvrir, dit, je suis l'homme de son haram, haram. Haram. Alors, il est juste de faire piquer, tu vas trouver la santé. Faut laisser un te faire piquer, tu trouves la santé. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est devenu daroura. Ça, c'est devenu daroura. Mais si ce n'est pas daroura, libérez le corps concernant, sauf ta femme. Tout ça, là, ça fait partie du mot des furuj. Vous comprenez bien? Mais le plus grand de ça, c'est aller, tu enlèves ton boubou, tu enlèves chapeau, tu enlèves ton montre, tu enlèves pantalon, tu déposes. Hé! Hey, aller faire ce qu'on ne fait pas. Non, c'est pas. Il faut laisser. Ça, c'est le plus grand de ça. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed. Il a dit, il y a les zinas des regards, il y a les zinas de la main, et il y a les zinas de tout, et il a dit, celui qui affirme qui est la riche, c'est le sexe. Ça coûte ça, il veut parler des zina. Avant qu'il veut parler de protéger notre sexe, il a commencé, on est capable de baisser notre. Parce que c'est avec les gars que la femme va t'intéresser. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, elle est belle, oh, elle est courte, elle est taillée comme ça. Tu vois, et maintenant, j'ai tant de mettre tout ça là. Et voilà pourquoi il a commencé par là. Il y a certaines femmes. Qui ne sont pas musulmans, quand tu traites cette affaire avec eux, ils te parlent, tu es en train de regarder, mais c'est comme elle a dit, pourquoi tu ne me regardes pas comme ça? Je sens mauvais, hey, ce n'est pas tu sens mauvais, ma soeur. C'est l'islam qui nous a dit, il ne faut pas fisquer ton regard à la femme. La femme que vous voyez là, on a dit la femme, Shaitan, il a des flèches, à Saham. Vous connaissez ces flèches? À Saham. La femme, elle a la flèche de Shaitan. Si le Shaitan veut te tromper dans la prière, il a vu que tu es fort. Dans les Coran, tu es fort. Karim, tu es fort. Vol, tu es fort. Mais au niveau des femmes, aïe. Attention. Voyez, Fazou Furujahum. Ils n'ont qu'à protéger les sexes. Zalika Aska Allahum. C'est ça qui est meilleur. Et ça va les purifier, ça va les arranger. Inna Allah Habirun. Bima Yasnauna. Allah, il est connaisseur. Et il va nous informer, Yom Al-Kiyama. Et tout ce que est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il connaît, il va nous informer tout ce qu'on a fait dans les dunya. Le prophète Mohammed. Il a dit, Ya Ali, la tatabi un nazar bin nazar. Fa inna laka l'oula wa laysa laka akhira. Il a dit, toi Ali. Faut pas répéter, regarde. Tant que tu as vu quelque chose comme ça, subhanallah, il faut tourner ton regard. Tu as vu le premier que tu as vu là, on ne t'attrape pas. Mais tu as vu, subhanallah, je vais regarder des airs. La désert va te pointer. Vous savez, il y a certains, ils parlent, ils voient quelque chose, craint de pas. Peut-être c'est une femme qui est mal habillée ou là, elle sait ça. Il part, ça, c'est craint d'œil. Faut partir. Mais après, il revient encore. Qui est pour regarder. C'est ce moment qu'on va te pointer. C'est ça, le prophète a dit Ali, là, tatabi, il nazar, il nazar. Faut pas répéter les gars sur les gars. Fallait qu'à ou là, premièrement, tu n'as pas péché, mais deuxième, on ne te laisse pas. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed. Il a dit, il y a un mot de l'eau, fait trop côté. Méfiez-vous de s'asseoir sur les bords de la route. Le prophète a dit, méfiez-vous de s'asseoir sur les bords de la route, sauf dans les deux là. Tu vas ou tu attends quelqu'un, mais allez rester sur la bord de la route. Le prophète a dit, méfiez-vous. قالوا للصحابه دي يا رسول الله لا بد لنا من المجالس نتحدث فيها et le prophète dit ya rasoul allah on n'est pas là où on s'assoit non on s'assoit là bas c'est pour causer le prophète a dit fa qala rasoul sallallahu alayhi le prophète a dit in abaitum fa atu tariqa haqqan si vous avez refusé vous voulez s'asseoir sur les bords de la route elle a dit donnez les droits de la route vous s'asseoir la route donnez les droits de la route. Là, les gens qui s'assoient sur la route, écoutez les droits là. Si vous ne pouvez pas appliquer ça, il faut aller s'asseoir chez toi. Kalu wa ma haqqu at-tariq. Les sahaba dit quel est le droit de la route? Ya Rasulallah, le prophète a dit quand vous êtes aux côtés de la route assis, baissez votre regard. Si la femme passe, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kongani, ya, temereni, ala fia. Tu regardes en bas. Anoula, na. Jawari, tu regardes en bas. Faut pas soulever le regard à la femme de quelqu'un. C'est le prophète qui a dit, faut pas aller dire, c'est Abdel Fattah qui a dit. Je vous ai amené un hadith. Je dis, c'est le prophète qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Quand tu le passes, ça c'est le droit. Quand tu veux s'asseoir la route, Kala, pardon. Deuxième, droit de la route, il a dit, quand vous êtes là sur la route, laissez mauvais.
Ne faites pas mauvais avec votre langue aux gens ou avec les choses. Si vous êtes assis au bord de la kafra hasard, arrêtez le mal de faire le mal aux gens. Troisième, waradu salam. Si vous êtes assis, quelqu'un passe, il vous a fait salam alaikum. Laissez le causer que vous faites là, répondez. Ce salam alaikum. Majorité qui s'assoit sur la qui part, il fait salam alaikum, ne répond pas. Ils sont en train de critiquer. Non, c'est le travail qui a manqué. C'est Messi. Salam alaikum passe. Le prophète a dit répondez, waradu salam. Ça fait combien? Vous comptez bien? 3. Et le quatrième, il a dit wa amr bil ma'ruf. Si vous êtes au bord de la route assis, recommandez le bien. Ça fait combien? 5e, il a dit wa nahay anil munkar. Vous êtes là assis, interdit le mal. Si vous voyez quelqu'un veut faire du mal, injuster quelqu'un, regroupez-vous, vous allez faire. Interdit. Si vous faites ça, le prophète a dit là, vous avez autorisation de s'asseoir sur le bord de la route. Mais si vous ne pouvez pas accomplir tous les 5 là, là, il faut prendre les hadiths de qui? L'autre. Okubatul Ben Amr. Elle a dit, Wali Yassatu Kabeituka, il faut que ta maison te suffise. Mais si tu peux relire tous les 5 là, là, il faut s'asseoir. Salam alaikum. Est-ce qu'on respecte tous les 5? Quran a dit, Kulil Mouminina, les croyants, Yagoudou Min Aoussarim, ils n'ont qu'à protéger, leur baisser les regards. Voya Fazou Furoujam, ils n'ont qu'à protéger les sexes. Zareka Aska Allah, c'est ça qui est meilleur pour vous. Pour eux, Inallah Khabir, Allah, il va nous informer, Bema Yasnaoun, et tout ce qu'on a été fait. Le reste des bayans, demain, inshallah, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا واغفر ذنوبنا وارحمنا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم فزنا وفز اولادنا وذريتنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا مقيمين الصلاه من ذريتنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وتب علينا اللهم ارحمنا وتب علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله